Y a quelqu'un ? Vous pouvez me dire où on est ? Je suis perdu, je sais pas où je suis. Vous là, les mains contre le mur ! Quoi ? Tournez-vous et mettez les mains contre le mur ! Pourquoi ? Non, attendez, je sais plus comment je m'appelle. Mettez les mains contre le mur tout de suite ! Agent 56, je viens juste de localiser le suspect. Qu'est-ce qui se passe ? Les mains derrière le dos. Rebonsoir. Bonsoir. Vous me connaissez ? Hein ? Est-ce que je suis déjà venu ici, par hasard ? J'ai mangé ici. Oui, tout à l'heure. J'étais seul ? Non, avec des amis. Mais est-ce que ça va ? Ouais. Je crois que j'ai eu un accident. J'appelle les secours ? Non, c'est pas la peine. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez commandé à manger, vous m'avez demandé les toilettes, vous y êtes allé ? Sûr que vous ne voulez pas que j'appelle les... Elles sont où, vos toilettes ? En bas de l'escalier, à droite. D'accord, merci. J'écris ce journal au cas où j'oublie un jour les choses ou les gens. Si c'est le cas, j'espère que tu es bien celui à qui je l'adresse. Touche ta joue droite. Tu sens un truc ? Si oui, alors c'est toi. Ce que tu sens, c'est une plaque métallique. Tu l'as depuis ton accident. Ou plutôt, je l'ai depuis mon accident. Parce que je suis toi.
que tu dois faire, c'est apporter la preuve à la police. Sinon, tu ne reverras jamais Lara. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, alors lis tout de suite ce journal du début à la fin. Je m'appelle Samuel Lubota. Au lycée, tout le monde m'appelait Sam. D'ailleurs, je ferais mieux de commencer par là. Parce que c'est au lycée que tout a commencé. J'étais assez populaire, contrairement aux attardés, psychopathes et autres tarés qui n'avaient pas d'amis. Pour être apprécié, il fallait être original, sortir du lot. Et c'était mon cas. J'avais le don de me faire des amis en un rien de temps. J'avais le contact facile. Je me débrouillais toujours pour trouver des solutions aux problèmes des autres. Je savais répandre un virus informatique, pirater une webcam, modifier les données d'un profil ou simplement me procurer la copie d'examen du prof de maths. Une fois le service rendu, l'amitié s'arrêtait là. Enfin bon, j'avais fini par m'habituer à ce que les gens disparaissent de ma vie. Ma tante le faisait en permanence. Le soir, quand elle sombrait, j'en profitais pour faire mes trucs. Pour la retrouver. Elle. J'étais amoureux de cette fille depuis la cinquième. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne s'était jamais quitté depuis. Très bien, donc nous avons. Le problème, c'était qu'elle n'avait jamais fait attention à moi. S'il te plaît, Carla. Ouais. Peux-tu nous dire ce qui reflète les ondes électromagnétiques? La sieste est terminée, Carla. Sam? Le métal. Le métal, entre autres, permet de les refléter. Une onde peut se réfléchir sur une surface comme le sol, la surface de l'eau, un mur ou une vitre. Alors, on parle de... Mais je m'étais trompé sur son compte. Elle savait parfaitement qui j'étais. Et ce que je ressentais pour elle. Salut. Salut. J'ai un petit problème. J'ai ma moyenne qui chute. Je vais repiquer si ça continue. Tu peux m'aider? C'est un peu tard. Les examens sont quasi terminés. Tu changes mes notes? Il paraît que tu fais ce genre de truc. Le truc, c'est que c'est pas aussi simple. J'adorerais t'aider si je pouvais. Mais c'est juste que là, ça me paraît un peu risqué. J'ai encore jamais fait ça. Les notes sont enregistrées dans la base de données du bahut. Si je me fais choper, je vais me faire virer direct. Écoute, t'as eu combien en anglais? J'ai eu E. Mais moi, c'est plus. En maths? Un E aussi. Mais un C. En français? Un D. T'as qu'à mettre un C moins. C'est fait. En chimie? J'ai toujours eu des sales notes. C'est pas nouveau. Et j'avais envie de remonter un peu ma moyenne. Sam a vu que j'avais besoin d'un coup de pouce. Il est amoureux de moi depuis qu'on est en cinquième, mais il m'a jamais plu. Et puis, il a fini par péter les plombs. Il a commencé à me harceler, à menacer de foutre ma vie en l'air. C'est quoi ces conneries? Silence. T'es vexée parce que j'ai jamais répondu à tes avances et t'as fait tout ça pour te venger. S'il vous plaît. Quoi? C'est elle qui a voulu que je l'aide. Non, elle a voulu que je trafique ses notes. Sam, sois un peu honnête. Vous vous croyez où? Je vous ai demandé le silence. Comme je l'ai dit, j'avais fini par m'habituer à ce que les gens disparaissent de ma vie. Ce que je ne savais pas, c'était que cette fois, j'allais en payer les conséquences. C'est à ce moment-là que tout est parti en vrille. Au nom de l'État, il a été décidé que le prévenu Samuel Lubota sera condamné pour fraude de données selon le paragraphe 3 de l'article 323 du Code pénal. Il devra suivre un programme de réinsertion d'une durée de 2 mois à l'Institut de coopération X. Qui, toi? Réponds! Sam Lubota, c'est tout ce que je sais! Montre-moi ta main, dépêche!
Laquelle ? La gauche ! Ouais, ouais. Merde. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. Viens, on se tire. Dépêche ! Quoi ? Eh hey, mais tu vas où ? Attends une seconde. D'où est-ce que tu me connais ? Je me suis réveillé dans un tunnel, mais je me souviens de rien. Les flics ont essayé de me... Merde ! Viens, mène-toi ! Et vous pouvez pas passer par là, on se calme, hein ? Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Ici, soyez sympa. Allez vous on asseoir. On n'a rien fait, on veut sûrement partir. C'est moi qui leur ai demandé mais de venir. Vous pas, la police nous aider. Cherche, mais on n'a rien fait de mal. Vous aider, d'accord ? Dépêche, on se tire de là ! Cours ! Dans un bar. Je me suis réveillée là. On craint rien tant qu'on reste loin de la fenêtre. Comment tu t'appelles ? J'en sais rien. Quoi ? Toi non plus, tu te souviens de rien ? Non, j'ai aucun souvenir de rien. Je sais ni comment je m'appelle, ni où j'habite, ni pourquoi je me suis réveillée ici. Mais par contre, quand j'ai fouillé mes poches tout à l'heure, j'ai trouvé ça. Et quand je suis sortie de là, je t'ai vue et je t'ai suivie. J'y comprends rien. Ce dessin, ces trucs qu'on a aux mains, on porte les mêmes fringues. Et en plus, on n'a aucun souvenir de rien. Bordel, dire que je pensais que toi au moins tu pourrais m'aider. Je pensais que toi au moins tu pourrais me dire si j'avais quelque chose à voir avec cette putain d'affaire Fredersen. C'est quoi l'affaire Fredersen ? Putain, t'es à l'ouest. Ils en parlent aux infos depuis ce matin. Un assassinat a eu lieu aujourd'hui dans l'un des hôtels particuliers de la rue Elbchaussee à Hambourg. Alarmés par les cris de la victime, les voisins ont alerté la police qui, à son arrivée, a découvert le corps de Thomas Fredersen, âgé de 44 ans et directeur de l'Institut de Coopération X. Fredersen a, semble-t-il, été blessé à plusieurs reprises avec un objet tranchant. Le médecin légiste n'a pas encore déterminé l'arme utilisée par l'agresseur. Les images des caméras de surveillance de la propriété nous révèlent le visage du supposé meurtrier qui serait le récidiviste Samuel Lubota. Toute personne détenant des informations est priée de contacter de toute urgence la police ou la chaîne d'information. Hé ? C'est à toi ? Je vais te montrer un truc. Viens voir. Bah viens. J'ai l'impression que le dessin que je t'ai montré vient de là. Regarde derrière. J'ai les enregistrements. Je les emmène à la police. Je vais te sortir de là. C'est mon écriture. C'est quoi ces enregistrements ? Tu sais ce que ça veut dire ? Sûrement des preuves. J'en sais rien. C'est ce qu'il y a écrit dans ce journal, qu'il faut que j'emmène des preuves à la police. Ces enregistrements, c'est sûrement ça. Et ces enregistrements, ils sont où ? Deux semaines après le jugement, je devais partir en centre de réinsertion. Dans ce genre d'endroit, on sent qu'on a vite fait de se faire bouffer, de se laisser dominer. Il faut savoir faire face, faire le poids. Mon Dieu, cet endroit glace le sang. Thank you.
Chers nouveaux arrivants, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à la coopération X. Je m'appelle Luna, si vous voulez bien me suivre. La règle veut que les pensionnaires ne soient pas plus de deux par chambre. Le petit déjeuner est servi à 7h au réfectoire, le déjeuner à 12h et le dîner à 18h. Chaque pensionnaire doit regagner ses quartiers à 21h. Il n'y a pas de réseau pour le téléphone ? Non. Les bâtiments sont équipés de brouilleurs. On n'a pas de couverture réseau, mais avec ma permission, vous pouvez appeler vos parents en vidéoconférence à toute heure. D'accord ? Vous serez soumis à un test de personnalité pendant 30 minutes tous les matins. L'objectif est de vous accompagner du mieux que nous le pouvons. Pour cela, nous vous demandons de répondre sincèrement à chacune des questions. Allez-y. Question 1. Quel est votre nombre favori ? Question 2. Avez-vous un animal domestique ? Si oui, lequel ? Question 3. Quel genre de lait préférez-vous ? A. Cru. B. Pasteurisé. C. UHT. Salut, moi c'est Sam. Bonjour. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis Monsieur Fredersen, le directeur de cet institut. Et je voulais que vous sachiez à quel point je suis content d'être ici aujourd'hui, face à autant de jeunes qui ont au moins deux choses en commun. Une faculté singulière et un passif de délinquant singulier. Évidemment, j'ai une préférence pour le second. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Tout délit est la preuve que vous avez cette capacité, à savoir le courage d'agir et de penser de façon stratégique. C'est ce qu'on appelle ici un talent. Et chacun de vous ici possède un talent. Un talent dont jusque-là vous avez usé à mauvais escient, mais que vous allez apprendre à utiliser à bon escient. Alors souvenez-vous, personne ici ne vous considère comme un délinquant. Ici, vous représentez l'avenir de notre société. Merci à tous. C'est pour ça qu'on nous a filé un numéro comme à du bétail. Numéro 8. Je ne trouve guère aimable de votre part d'adopter un ton si dédaigneux envers le bétail. Après tout, on se nourrit tous de son lait et de sa viande. Et j'aimerais savoir quel genre de contribution économique ou sociale vous apportez à notre société. Voici votre chambre. Qu'est-ce que tu fous, mec ? Tu cherches la merde ou quoi ? C'est ma piole. Désolé, c'est celle qu'on m'a indiquée. Je te fais marcher. Moi, c'est Louis, ton coloc de chambre. Salut. Ok. Moi, c'est Sam. Ah, c'est drôle, j'étais avec un numéro 7 aussi avant. Il est déjà parti ? Non, il a clamsé il y a environ 15 jours. Je crois qu'il a fait un arrêt cardiaque. Sinon, que tu saches, ça c'est ton lit, ta penderie est là. Je vais aller démouler un cake, je reviens. Sam, tu m'as pas dit pourquoi il t'avait envoyé ici ? Ah oui, j'ai piraté la base de données de mon bahut. Tu fais partie du groupe Anonymous, ce genre de truc ? Non, non, c'est juste que je suis doué en informatique. Ça remonte à loin, j'ai eu un accident quand j'étais petit, et du coup, j'étais pas mal coincé à la maison. C'est comme ça que je m'y suis mis. Génial. En tout cas, tu vas vite t'y faire ici, t'en fais pas. Si tu files droit, crois-moi, tu seras vite dehors. Il suffit de réussir les tests. C'est quel genre de test, exactement ? T'inquiète. Tout ce qu'il faut, c'est réussir ces tests et cumuler des points. Allez, bonne nuit. Et toi, pourquoi t'es là ? Quoi ?
Pourquoi t'as atterri ici? Parce que je fais de la magie. Tu fais de la magie? Ouais. C'est pour ça que t'es ici? Ouais, c'est pour ça. Tu veux voir? Ouais, carrément. Où est-ce que t'as acheté cette camelote? Ça vaut quoi? 5 balles? Tiens, je te la rends. Si ça avait été de l'or, je l'aurais gardé. T'as de la chance. Bonne nuit. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Isaac. Bienvenue. Je suis le directeur de ce programme de réinsertion. Et pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, je vais vous familiariser avec notre GX-14. Comme vous pouvez le voir, c'est un propulseur de paintball classique, qui bien sûr a été modifié pour nos besoins. À présent, jetons-y un coup d'œil. Ça, c'est le chargeur. Il y a 2-3 types avec qui je te déconseille de copiner. Grâce à deux pièces qui coulissent le 55, par exemple. Qui permettent d'engager la il voulait intégrer l'armée comme sniper. Mais il le refusait parce qu'il avait les pieds plats. Ça l'a rendu complètement dingue. Il s'est posté en haut d'un pont, il a tiré des billes de peinture sur les bagnoles du genre... Numéro 6. J'ai visé. Bonjour. Vous voulez bien m'écouter? Ouais. C'est mieux. Rappelez-vous une chose importante. Quand l'entraînement sera terminé... T'as aussi le 35, dit le pilote. Il a braqué un casino et semé 17 voitures de flics en essayant de s'enfuir, tu te rends compte? Il s'est fait choper parce qu'il avait plus d'essence. Numéro 6. Vous allez continuer longtemps cette petite discussion? À moins que vous n'ayez une question. Moi j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on apprend à manier des armes? C'est pas l'armée que je sache. Et elle, c'est qui? Non, laisse tomber cette fille. Mauvais numéro. Je crois qu'elle a fait de l'HP et elle est complètement dingue. Votre camarade vient de recevoir une fléchette empoisonnée. Celle-ci contient de la conine, autrement dit un alcaloïde qui, selon le dosage, peut provoquer des contractions musculaires fulgurantes à travers tout le corps. Comme je vous laisse le loisir de le constater. Vous dites? Mais vous remarquerez que ça n'a pas suffi à numéro 6 et qu'il lui en faut un peu plus pour qu'il arrête de bavasser. Si vous retirez la fléchette, vous réduisez le temps de paralysie. Et vous serez content d'apprendre qu'il pourra de nouveau jacasser d'ici une dizaine de minutes. Bien, en attendant, vous allez vous séparer en deux équipes. Prenez tous un propulseur. Et on va commencer. Je trouve ça palpitant. Allez, c'est parti. Bouge plus! Lâche ton arme! Sors! Sécurise la zone, moi je vais par là. Je comprends que cet incident vous ait découragé. J'en suis désolé. Et je sais très bien qu'Isaac n'est pas la personne la plus agréable qui soit, mais bon, voilà. Nos tests ont évidemment une visée psychologique. Écoutez, Sam, si ça vous a trop affecté, vous pouvez choisir de ne plus participer à ce test. C'est à vous de voir.
Vous êtes un excellent élément. Je mise beaucoup sur vous et votre endurance, et j'envisage d'ailleurs de faire de vous un de nos mentors. Je souhaite faciliter votre apprentissage. Comment ça, le faciliter ? Oui ? Ah, vous arrivez juste à temps. Entrez. Saphira, je vous présente Sam. Voici Saphira. Saphira maîtrise l'informatique mieux que personne ici. Si par hasard nous décidions, un jour, de faire d'elle un mentor, nous l'inscririons sur notre base de données en tant que programmeur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Nous avons la possibilité de créer un pont entre tous nos mentors et une liste d'employeurs afin que, une fois le programme de réinsertion terminé, ces mentors que nous avons formés puissent aisément se réinsérer dans la vie active. Dans votre cas, une entreprise du numérique, comme développeur, par exemple. Si tant est que vous soyez intéressé par ce domaine, évidemment. Oui. Oui ? Excellent. Dans ce cas, il peut commencer. Commencer quoi ? L'apprentissage. C'est moi qui vais te former. Le sujet d'aujourd'hui est la pensée stratégique. Le but du jeu est d'agir tactiquement en peu de temps. Pour ce faire, deux joueurs devront s'affronter à mort. Choisissez un joueur et emmenez-le directement à l'armurerie. Je suis rouge, ça te va ? Mm-hmm. Arrivé à l'armurerie, vous devrez craquer le code d'entrée de l'arsenal et éliminer votre adversaire. Bon, tu me suis toujours ? Oui, ça va, mais j'ai une question. Comment t'as atterri ici ? T'as piraté un ordinateur ? T'es sûr que t'as écouté ce que j'ai dit ? Je craque le code, je chope une arme, je tue mon adversaire. Mmh. On y va ? Ouais. Ok, attention, c'est parti. Je vais bientôt pouvoir entrer. J'y suis. Je me demande avec quelle arme je vais pouvoir te tuer. Celle que tu veux. Dans ce cas, je choisis... Pourquoi il s'arrête ? Attends, il y a un truc qui va pas. J'ai mon joueur qui est bloqué. Je peux rien faire. C'est quoi ce bordel ? J'ai plus aucune commande qui répond. C'est quoi ce truc ? Pourquoi il a explosé ? Je t'ai eu. Quoi ? Mais attends, ça compte pas, le mien avait planté. Qui t'a dit qu'il avait planté ? C'est moi qui ai piraté ton avatar et qui l'ai manipulé. C'est pour ça que t'as perdu le contrôle. Mais tu as forcément triché. Comment ça, tricher ? J'utilise mon talent positivement. C'est le but ? T'es énervé ? Je vois que t'es énervé. Tiens, pour te consoler. Ça porte chance. La prochaine fois, c'est toi qui me tueras. Si t'as envie. Il y a des moments dans la vie où on sent que les choses n'arrivent pas par hasard. J'étais dans l'un de ces moments. Je n'avais pas atterri ici parce que j'avais déconné. J'étais ici pour apprendre. Pour apprendre à reconstruire ma vie. De manière positive. Salut. Ça t'ennuie d'enlever tes écouteurs ? Je m'appelle Sam. Je voulais savoir ce que tu faisais là. Ce que je fais là, c'est tout. Et aussi, je voulais te remercier pour aujourd'hui. D'avoir retiré la fléchette. Et alors ? Faut qu'on soit amis ? J'essayais d'être sympa. Te fatigue pas, t'auras rien de moi. Mais j'attends rien du tout. Ok, je vais être plus clair. T'es sûrement le genre de mec qui est prêt à lécher le cul de tous les gens qu'il croise pour se faire des copains. Mais avec moi, tu perds ton temps. Alors va voir ailleurs. Je t'ai dit de me foutre la paix. Faut que je te fasse un dessin. Je préfère être un lèche-cul qu'un cas psychiatrique.
Gardez votre calme. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est sortir. Revoir ma famille et me tirer de cette année d'en fou. Vous comprenez ça? Vous allez me laisser sortir, vous allez me laisser sortir. Putain, mais t'étais homo ou quoi? Qu'est-ce que tu fous? Je croyais que les portables étaient interdits. Où est-ce que t'as eu ça? C'est interdit et j'ai pas de réseau. C'est juste une vidéo de ma copine. Tu le gardes pour toi. J'ai plus beaucoup de temps à tirer ici. S'ils me font payer pour un truc à la con comme ça, je serais dégoûté. Compris? Ok. Dis donc, t'as jamais remarqué un truc bizarre ici? Genre un mec qui te regarde te branler? Non, je suis sérieux. J'ai vu numéro 35 et Fred Ersen s'engueuler aujourd'hui. Ils ont endormi 35 et ils l'ont emmené dans une salle. Quoi, tu trouves ça normal? Attends, mais qu'est-ce que tu crois? C'est vrai, quoi. À ton avis, c'est quoi cet endroit? C'est un centre correctionnel. Si tu déconnes, ils t'attendent au tournant. Enfin, la scène que j'ai vue était particulièrement violente. Laisse tomber, je te dis. T'es responsable de personne. Pense plutôt à toi. Tu crois que numéro 35 en a quelque chose à foutre de toi? C'est qu'un pauvre naze. Ok? Bonne nuit. Éteins. Bonjour à tous. Sachez d'abord que je suis extrêmement fier des efforts et de la progression de chacun. Et que vous méritez tous d'être encouragés. Nous sommes réunis aujourd'hui car j'ai, pour certains d'entre vous, une très bonne nouvelle. J'ai ici une liste sur laquelle figurent les noms de ceux qui vont être nommés mentors. Bien entendu, ces nominations ne sont que la juste rétribution de votre investissement. Des efforts que vous avez fournis et des progrès que vous avez réalisés depuis votre arrivée. Et je souhaite grandement que vous serviez d'exemple à vos camarades. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Insuffliez votre motivation, afin qu'eux aussi puissent aspirer à devenir mentors. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu des ennuis avec eux? Souvenez-vous que ce programme de réinsertion a pour des ennuis avec qui? De mettre en exergue vos compétences. Avec Fred Ersen? J'ai vu ce qui t'est arrivé hier. Cette expérience. Je vois pas de quoi tu parles. C'est l'heure du verdict. Je vous ai vu vous disputer avec Fred Ersen hier. Numéro 36. Il y avait aussi deux autres personnes. Vous étiez dans le couloir, tu te souviens pas? Numéro 57. Non. Numéro 43. Numéro 55. Ouais. Et enfin, pour terminer, numéro 35. Félicitations à vous. Vous voilà désormais mentor. Thank you.
Mais c'est quoi ton problème du con? Qu'est-ce que t'aimes coller comme ça, hein? Rien, j'ai pas de problème. J'ai cru que tu voulais t'enfuir. Mais comment tu veux que je me tire d'ici? Est-ce que t'as regardé autour de toi? Il y a une putain de clôture tout autour. Et en plus, elle est électrifiée. Attends. Tu sais ce qui se passe avec numéro 35? Je l'ai vu qu'il s'engueulait avec Fredersen hier. Ils l'ont assommé avec un tranquillisant et l'ont emmené je ne sais où. J'ai demandé à 35 ce qui s'était passé, il se souvient de rien. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des trucs qui tournaient pas rond. Il y a eu le même truc avec numéro 7. Ils l'ont nommé menteur et le lendemain, il avait oublié qui j'étais, enfin... Numéro 7? Celui qui est mort d'un arrêt cardiaque? En admettant que c'en était un, ils ont forcément un truc à voir là-dedans. Quoi? Attends une seconde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu veux que l'Institut y soit pour quelque chose? C'était un arrêt cardiaque, elle sait pas ce que c'est? Elle est persuadée qu'ils ont fait un truc à numéro 7. De toute façon, ce type était pas normal, il avait complètement vrillé, il s'était mis à agresser tout le monde. Sauf qu'il avait aussi perdu la mémoire, exactement comme numéro 35. Et dans les deux cas, c'est arrivé après avoir été nommé mentor, c'est bizarre. C'est pas parce que numéro 8 te l'a dit que c'est vrai, enfin. Si j'étais toi, je me méfierais de ce qu'elle raconte. Elle a été en HP, je te rappelle. Et alors? Qui me dit que t'as pas atterri là parce que t'as tué tes parents? Je devrais peut-être me méfier de toi. J'ai perdu mes deux parents. J'avais une belle-mère qui a volé tout l'argent de mon père et qui s'est tirée avec quelqu'un d'autre. Du coup, mon père s'est pendu. J'ai piraté le compte bancaire de cette garce et je l'ai plumé comme elle avait plumé mon père. Échec et mat. Je suis désolé. Attends, rassieds-toi. Si tu veux, je ferai mon enquête pour essayer d'en savoir plus. Ok. Super en forme pour le test ce matin. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je veux me souvenir de ce que je fais, alors je note tout. Quoi? Quand ils me nommeront mentor, je veux pouvoir raviver tous mes souvenirs. Je veux pas devenir comme les autres. Et pour raviver tes souvenirs, comment est-ce que tu t'y prends? Eh ben, avec des odeurs par exemple. Il paraît que certaines personnes ont des souvenirs qui leur sont revenus, grâce aux odeurs. Tu listes toutes les odeurs qui pourraient plus tard raviver tes souvenirs? Non, j'ai pas de nez, je sens rien. Je te conseille de faire pareil. Et comment tu t'appelles? Lara. J'ai pénétré leur système aujourd'hui. Pour chacun de nous, ils ont créé un profil, et dedans, ils répertorient tout. Et ? J'ai jeté un coup d'œil au numéro 35 et au gars qui était là avant toi. Pour les deux, ils parlent d'une micropuce. Quoi ? Une micropuce, c'est quoi ? J'en sais rien, aucune idée. Mais il semblerait que celle de numéro 7 ait souffert un court-circuit. Est-ce que ça a un lien avec sa mort ? C'est justement la question. Dans la cause du décès, ils parlent pas d'arrêt cardiaque. Ça dit juste court-circuit de la micropuce. Tu crois qu'il a été tué par un court-circuit ? Écoute, le mieux ce serait de vérifier ce qui s'est passé auprès de la police. Savoir s'il cache quelque chose ou... Ok, mais comment est-ce que tu comptes faire? Je vais copier toutes les données sur une clé. On se donne rendez-vous demain au réfectoire et on envoie les fichiers à une personne de confiance. Moi j'ai personne dehors, et toi? Ma tante. Mais comment tu veux qu'on envoie ces fichiers? On n'a pas d'accès à... Ah si, justement, on a un accès. Pendant les vidéoconférences, souviens-toi, faut que tu demandes à appeler ta tante. Tu crois que tu peux le faire? Allô? C'est moi. Tu m'entends? Oui, mais je te vois pas. Il faut que tu diriges la caméra vers toi. Ah, ça y est, je te vois. Salut. Ah oui, c'est quand même mieux. T'as bonne mine.
Merci, merci. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un service à te demander. Demain, je vais te passer un coup de fil, d'accord? Et il faudra que tu récupères quelque chose pour moi, c'est important. Je peux pas, chérie. Je me suis inscrite à un cours de poterie. Non, attends, essaie de m'écouter, c'est important. Super tôt parce que ça commence à 8h. Non, écoute-moi. Voilà, demain, je vais t'appeler et je vais t'envoyer quelque chose qu'il faudra que tu apportes à la police. Il suffit que tu télécharges et que tu copies ce que je t'envoie sur une clé et que tu ailles voir la police. Une clé, mais quel genre? Une clé USB. Tu te souviens, je t'en avais offert une pour Noël. Oh, une clé? Oh, alors là, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Écoute, tu l'as forcément quelque part, il faut que tu cherches. Allô? Allô, tu... Tu m'entends? S'il vous plaît, j'ai perdu ma connexion. Est-ce que je peux rappeler? Je suis navrée, vous n'avez droit qu'à un appel. Mais j'étais en pleine conversation et d'un coup, ça a coupé. Désolée, malheureusement, je ne peux rien faire. J'écris ce journal au cas où j'oublie un jour les choses ou les gens. Si c'est le cas, j'espère que tu es bien celui à qui je l'adresse. Touche ta joue droite. Tu sens un truc? Si oui, alors c'est toi. Ce que tu sens, c'est une plaque métallique. Tu l'as depuis ton accident. Ou plutôt, je l'ai depuis mon accident. Parce que je suis toi. N'aie pas peur. Sam, je te tiens. Je suis avec toi. Maman ! Salut. Tu te souviens de moi? Ok, écoute. Est-ce que t'as une clé sur toi? Quel genre de clé? Regarde dans ta poche. Tu devrais avoir une clé USB. J'ai pas de clé USB sur moi. Tu te souviens pas de la discussion qu'on a eue hier? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Écoute, je comprends rien à ce que tu dis. Ça t'ennuierait d'aller t'asseoir ailleurs? C'est à toi, ça. Tu me l'as donné un jour. Ça te dit rien? T'as qu'à le sentir. Ça va peut-être te rappeler un truc. Quoi? Allez, quoi? Écoute, j'ai pas envie de le sentir. S'il te plaît, ça coûte rien. Non. S'il te plaît, si tu le fais, je te laisse tranquille. Je te demande rien d'autre que de le sentir, et après ça, je te fous la paix, ok? Ça va? Tu m'entends? Hé, oh! Hé, est-ce que tu te sens bien? Il faut que je l'enlève. Quoi? Il y a des choses qui te reviennent? Je comprends rien. De quoi est-ce que tu parles? Faut que je l'enlève. Quoi? Faut que je l'enlève. Quoi? Faut que je l'enlève. Je comprends rien.
non, hé, non. Faut que je l'enlève. Non, non, non. Faut que je l'enlève. Faut que je l'enlève. Hé, hé, faut que je l'enlève. Faut que je l'enlève. Hé, tu m'entends? Hé, allez chercher quelqu'un, vite. Vous attendez quoi? Allez chercher quelqu'un. J'étais en train de la féliciter pour avoir été nommée mentor. Je me suis assis avec elle et on a discuté normalement. Et d'un coup, elle est devenue hystérique. Elle a pris un couteau et elle se l'est mis sous la gorge. Elle répétait en boucle qu'il fallait qu'elle l'enlève. Un des membres de notre institut qui se trouvait au réfectoire vous a vu tendre un foulard à numéro 22. Est-ce que c'est vrai? Oui. Elle m'avait prêté ce foulard. C'était pas le mien. Bien, mais alors, était-ce pour lui rendre son foulard que vous êtes allé vous asseoir à sa table? Ou était-ce pour la féliciter? Je ne comprends pas très bien. J'y suis d'abord allé pour lui rendre son foulard. Et j'en ai profité pour la féliciter. J'avoue que quelque chose m'échappe malgré tout dans ce que vous racontez. En effet, pourquoi cette jeune fille aurait tout à coup décidé de se trancher la gorge alors qu'elle n'avait a priori aucune raison de le faire? Vous ne trouvez pas ça étrange? Dites-moi, juste pour être sûr, y aurait-il par hasard un détail qui vous reviendrait, quelque chose que vous auriez oublié de me dire? Non. Tant mieux, alors. Merci à vous. Numéro 7. Vous pouvez y aller. Et au fait, est-ce qu'elle va bien? Malheureusement, elle nous a quittés. Mais de quoi elle est morte? Il semblerait que son cœur ait lâché. C'était pas un arrêt cardiaque, tu peux me croire. Il lui est arrivé le même truc qu'à numéro 7. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait exactement, mais ils ont altéré sa mémoire. Et d'ailleurs, le truc du foulard, ça a marché. L'auteur lui a rappelé des souvenirs. Ouais. Sauf qu'après l'avoir senti, elle a complètement vrillé. Elle a d'abord le nez qui s'est mis à saigner, et puis elle a parlé de ce truc qui la gênait dans la tête. Je sais pas ce que t'as, mais toi aussi t'es en train de devenir dingue. Faut que t'arrêtes un peu. Parce que ça me rend dingue. Non, je suis sérieux. Tu trouves ça normal? Mais j'en sais rien. Il faut qu'on sache ce qu'ils l'ont fait. Non, il faut rien du tout. On n'a pas besoin de savoir. Tu veux finir en tôle ou tu veux sortir d'ici? Perso, j'ai envie de sortir. Alors laisse-moi en dehors de tout ça. Fais la passe. Faudrait qu'un soir, j'y aille checker les alentours. Ouais, bah j'aimerais bien savoir comment tu vas faire. Je te rappelle que les portes disposent d'une reconnaissance digitale. Bon courage pour sortir. Comment est-ce que je vais me procurer une empreinte digitale? Je veux dire, à part en coupant un doigt. Je te propose un truc. Tu trouves une empreinte et je t'aide à sortir de ta chambre. T'es prête à m'aider? Ouais. J'essaie juste d'être sympa. Te fatigue pas. T'auras rien de moi. Mais j'attends rien, je te rassure. Je veux sortir. S'il vous plaît, concentrez-vous sur les questions. Comment on va trouver une empreinte? Numéro 44, je vous ai demandé de retenir votre respiration sous l'eau. Je ne vous ai pas demandé de jouer du saxophone. Je veux vous voir plonger. Je veux vous voir plonger, numéro 44. Bien, à la une, à la deux, on plonge. Attention, un... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, toutes mes félicitations, numéro 44, c'est 2 secondes de moins que tout à l'heure, et pas de temps. Vous pouvez sortir du bassin. Dépêchez-vous. Bien, numéro 7. Ah, je vous en prie, à votre tour. Non. Je préfère pas, merci. Vous ne préférez pas? Non. J'ai peur de l'eau.
Vous avez peur de l'eau? Oui. Vous allez me faire le plaisir de rentrer dans ce bassin. Je ne vous le répéterai pas deux fois. Je veux bien plonger avec lui, si vous êtes d'accord. Eh bien, je vous félicite. Vous avez mis la barre sacrément haut pour un premier essai. Pas mal, mec. T'avais prévu ton coup? Non, je lui avais rien demandé. J'ai peur de plonger depuis que je suis petit. Je te parlais pas de ça, mais de ça. C'est pour quoi faire? Pour sortir. Ça t'intéresse? Ok, on viendra te chercher dans ta chambre vers 23h. Et après? Après ça, on fait une tournée des chambres. Et après? Pourquoi on se tire pas juste ici? Hmm? J'en sais rien. C'est ce que j'ai toujours fait, tu sais, fuir mes peurs. Comme pour plonger, tu veux dire? Ouais, par exemple. Ouais, par exemple. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de plonger, sérieux? Ma mère m'a emmené au bord d'un lac un jour. J'avais 10 ans. Je savais pas nager. Elle voulait que je dépasse ma peur. Et alors qu'on était dans l'eau, il y a un bateau à moteur qui a surgi de nulle part. Il a foncé droit sur nous. J'ai failli me noyer. Ma mère n'a pas survécu au choc. J'ai une plaque en métal sous la joue depuis, pour maintenir l'os. Enfin. Et toi, tes parents? Les miens, ils sont toujours en vie. Ils m'ont envoyé en HP quand j'avais 14 ans, parce qu'ils trouvaient que j'étais déjantée. À 15 ans, je me suis échappée parce que j'en pouvais plus. À 16 ans, j'ai atterri dans un foyer. Puis à 17 ans, j'ai appris à crocheter des serrures. Et puis, crocheter des serrures? Ouais. C'est pour ça que t'es là? Ouais, c'est pour ça. La dernière que j'ai crochetée, c'était un coffre. Un coffre? Ouais, un coffre. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais malgré ce qu'ils m'ont fait, mes parents me manquent. Chaque fois que j'entends cette foutue chanson. Quelle foutue chanson? 74-75. 74-75. I was the one who let you know I was your sorry ever after. 74-75. Giving me more and I defy. 'Cause you're really only after 74-75. Abréger et passer à la suite, s'il te plaît. Louis, réveille-toi. Et réveille-toi. On y va. Écoute, j'ai réfléchi. Je vais rester ici.
Si quelqu'un se pointe et que t'es pas là, j'inventerai un truc, je dirais que t'es somnambule. Sérieux ? Quand on a emménagé dans notre nouvel appart, ma mère voulait pas que ma sœur prenne la chambre avec le balcon, parce qu'elle avait peur qu'elle se lève en plein sommeil. Tu viens ? C'est pas vrai. Viens. Ouais, je suis là. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher Lara. Et si on se fait choper, on n'aura qu'à dire qu'on est somnambule. Ouais, t'as raison. Là, je suis sérieux. Ça existe. Magne. Ouais, t'as raison. T'as une idée d'où on est ? J'en ai aucune idée, moi. On est dans le couloir gamma. C'est quoi le couloir gamma ? C'est celui des filles. Comment tu sais ? Je suis déjà venu. Ça, c'est la sienne. Tu me caches des trucs, toi ? Viens. Merde! Quoi? Elle est pas là. Et dans l'autre lit. Tu crois que c'est elle? Lara! 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 Merde, on se tire d'ici. On se tire, allez, Magne! Sam! Sam! Écoute, mec, t'as bien vu qu'elle était pas là. Si ça se trouve, elle a changé de chambre. En tout cas, si Isaac nous chope, on est mort. Moi, je dis, on retourne se pioter. Elle a pas changé de chambre. Et tu peux me dire où tu nous embarques ? On n'est pas foutu de se repérer dans ce putain de bâtiment. Il faut qu'on la retrouve. Je descends pas là-dedans. Sam, Sam, Sam! S'il y a écrit accès interdit, c'est que c'est interdit. Avance! Mais qu'est-ce que tu fous, putain ? Touche pas à ça ! Sam, Sam ! Arrête tes conneries ! Tu vas laisser tes empreintes partout ! Je croyais qu'on cherchait Lara ! Profil. Sam, si on se fait attraper en train de fouiner ici, on est mort. On se casse ! Micropuce. Durée maximale avant décès après court-circuit de la micropuce d'identification, 30 secondes. C'était quoi ce bruit ? J'en sais rien, plante-toi, Magne! Les avancées techniques d'aujourd'hui en matière de médecine nous permettent des interventions beaucoup plus précises que de simplement sectionner certains circuits neuronaux. Ici, il s'agit tout simplement d'un implant. J'aimerais donc que l'on remercie tous chaleureusement Madame le juge, Teresa Lang, qui trouve toujours pour nous de brillants éléments. Merci. À vous. Nous sommes très reconnaissants du travail que vous avez fourni pour notre institut et nous vous savons gré de votre investissement.
Dès l'arrivée de chacun de nos pensionnaires, se crée une puce personnelle via les tests de personnalité. Bien sûr, ils n'en savent rien. Chaque réponse qu'ils fournissent au test est ensuite enregistrée et répertoriée sur leur puce. Celle-ci devenant en quelque sorte le clone de chaque pensionnaire. Cette micropuce se substitue à leur identité. Par ailleurs, toutes les informations, ou bien encore tous les souvenirs qui n'auraient pas été stockés à l'avance sur la micropuce, sont perdus. Et le Sénat ne fera rien du tout. Comment je peux être sûr que vous n'avez pas laissé traîner de preuves? Vous avez volé un fourgon blindé, transvalué je ne sais combien de coffres jusque dans nos locaux. Je vous corrige sur ce point. Ce n'est pas moi qui ai volé ce fourgon blindé. C'est numéro 35. C'est un excellent conducteur. Tout s'est passé sans difficulté. C'est une expérience et elle a fonctionné. Il est important que la micropuce soit parfaitement implantée. Je vais à présent faire la démonstration sur l'un de nos éléments. Au réveil, elle aura oublié tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Mais elle aura conscience d'être devenue mentor. Voilà, c'est terminé. Le but de l'Institut est de faire baisser la délinquance et les comportements délictueux pour les années à venir. Mon seul intérêt est de pouvoir soigner ces pensionnaires, pas d'en faire de plus grands délinquants. C'est au médecin de s'occuper des soins. Vous et moi, on va changer les choses avec cette micropuce. Je n'avais pas réalisé qu'elle nous rapporterait autant. Les politiciens corrompus, le crime organisé, l'armée, ils vont tous se l'arracher quand ils auront vu les miracles qu'elle produit. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin... Je vous parle d'une révolution technologique. D'ailleurs, ils font en ce moment une démonstration. Et vous savez sur qui? Sur notre cher numéro 8. Toujours si rebelle, toujours si insoumise, toujours si insolente. Bonjour. Mais désormais... Vous vous sentez bien? Ça va. Elle sera docile. Voulez-vous une cigarette? Et même si au fond d'elle, cela lui coûte et qu'elle nous hait toujours autant. Du feu? Elle sera forcée de faire ce qu'on lui demande. À présent, regardez bien. Veuillez écraser cette cigarette dans votre main. Ah ! C'est horrible, c'est odieux. Je dirais plutôt que ce n'est rien d'autre qu'une manipulation des fonctions motrices. Est-ce que ces manipulations ont un rapport avec la mort de numéro 22 et du précédent numéro 7, oui ou non? J'ignore pourquoi, mais il y a dû y avoir une faille, car curieusement, ces deux éléments ont gardé des bribes de souvenirs après l'intervention. Numéro 22 s'est mise à hurler dans leur réfectoire. Elle menaçait de retirer sa puce. Je n'avais pas d'autre choix que de provoquer un court-circuit. Pas vrai? Nous manipulons ces micropuces à notre guise. Et toute injonction est exécuté sur le champ. Je vous demande de renoncer à vos fonctions, c'est terminé. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Où avez-vous eu ça? Répondez. Comment avez-vous fait pour sortir de votre chambre? Et surtout, pour quelle raison? Si on continue comme ça, j'ai peur que ça dure longtemps. Hein? Veuillez conduire numéro 6 jusqu'à l'ISO 1 et vous ne le laisserez sortir que quand il aura consenti à parler. Allez, dehors. Quant à vous, numéro 7,
le mieux est de vous envoyer à la chambre Oméga. Qu'en pensez-vous? Il ne devrait pas tarder à sombrer totalement. Est-ce que j'avais rêvé? Ou est-ce que ça s'était réellement passé? Des images me revenaient. Je me revoyais dans cette salle avec Louis avant qu'il l'emmène. Et je me revoyais filmer l'intervention sur Lara. Comment est-ce que je pouvais me souvenir de tout ça? Alors qu'il m'avait implanté une puce. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ça ne produisait aucun effet sur moi. Et puis j'ai réalisé qu'il ne pouvait y avoir qu'une explication possible. Peux-tu nous dire ce qui reflète les ondes électromagnétiques? Sam? Le métal. Le métal, entre autres, permet de les refléter, oui. Une onde peut se réfléchir sur une surface comme les ondes. Le sol. La puce envoie des ondes électromagnétiques pour altérer notre mémoire. Mais chez moi, ces ondes sont réfléchies, grâce à cette plaque métallique que j'ai sous la joue. Voilà pourquoi je me souviens de tout. Je n'ai donc qu'une chose à faire. Remettre à la police la carte mémoire sur laquelle j'ai tout filmé. Pour ça, il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Chers amis, bonjour à tous. Je vous ai réunis ici aujourd'hui, car j'ai pour certains d'entre vous une très bonne nouvelle. Vous le savez, j'ai à cœur de récompenser les efforts des plus méritants. Donc, j'ai ici la liste de ceux qui ont été nommés mentors. Avant de dévoiler les noms des nominés du jour, je tiens d'abord à saluer les progrès de chacun d'entre vous. Comme vous le savez, salut. L'objectif de cet institut est de mettre en avant vos qualités. Salut. Afin que tu me reconnais. Les utiliser en votre faveur. Pardon ? Être nommé mentor, c'est déjà faire un pas vers un avenir meilleur. Les nouveaux mentors sont... Numéro 31. Tiens. Numéro 2. C'est pour toi. Numéro 65. Prends-le et cache-le. Numéro 46. C'est pour t'aider à te souvenir. Numéro 13. Numéro 8. Et pour terminer, numéro 7. Toutes mes félicitations. Merci à vous. Et en attendant les prochaines nominations, poursuivez vos efforts. J'ai les enregistrements. Je les emmène à la police. Je vais te sortir de là. Ça va aller. Je vais te sortir de là, promis. J'ai vu ce qu'il nous faisait subir. J'ai tout raconté à Louis. Les enregistrements, la carte mémoire, les ondes électromagnétiques. Je vais sortir de l'Institut pour la première fois ce soir. C'est ma seule chance de remettre l'épreuve à la police. Je peux me faire coincer d'un moment à l'autre. Je ne dois rien laisser transparaître. Absolument rien. Quoi, c'est tout? Ouais. Ça s'arrête là? C'est tout ce que j'ai écrit. Attends, mais ça peut pas s'arrêter là, il faut qu'on sache ce qui s'est passé, enfin. Mais y a plus rien. Je viens de te lire tout ce que j'avais écrit. Ok, très bien. Ben, moi, je vais te dire ce qui s'est passé. T'as tué Fredersen et t'as plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et moi, je sais toujours pas ce qui m'est arrivé. Il faut qu'on retrouve cette carte mémoire. Et comment on fait pour la retrouver? Faudrait peut-être déjà qu'on sache où on est pour ça.
Et puis qu'est-ce qui nous dit qu'ils l'ont pas déjà? Et oh, je te parle, là, tu pourrais répondre! Ok. Tu vas tenir ça. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Si j'ai plus aucun souvenir de rien, c'est forcément à cause de cette micro-puce. Il suffit de l'enlever. T'es malade ou quoi? Cette puce est implantée dans ta tête. Il faut que je l'enlève. Non, non, tu peux non, pas faire ça. Il faut que j'enlève ce truc. Que j'ai pas le choix. Il faut que je l'enlève. Est-ce que tu vas m'aider? File ça. Rendez-vous dans 5 minutes dans la cour. Cher numéro 7, je suis content que vous soyez là. Vous avez faim au moins. Oui. Tant mieux. Alors montez. C'est délicieux, non? Je me demande comment ils font cette sauce. C'est ce qui fait toute la différence. C'est une sauce épicée végétarienne. C'est très bon. Tenez, gardez-la. Si vous voulez revenir, il n'y a pas meilleur endroit. Croyez-moi. Alors, les verres d'eau et le soda pour vous. Une question. Oui? Où se trouvent les toilettes? C'est en bas des escaliers à droite. Merci. Et sinon, vous n'avez besoin de rien? Je peux vous amener plus de sauce. On a tout ce qu'il faut, ça ira, ça ira. Très bien, je vous laisse. Numéro 7? Oui? Sortez, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Que faites-vous, numéro 7? J'arrive. Ouvrez cette porte. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? J'étais aux toilettes. Vous avez choisi celle qui était hors service. J'avais pas vu. Je peux vous offrir une cigarette? Ouais. Vous voudriez que je l'allume? Ouais. À présent, je vais vous demander d'écraser cette cigarette dans la paume de votre main. Mmh.
C'est ça. Allons, montez nous rejoindre. La soirée n'est pas encore terminée. Hein? Écoutez-moi, voici le dispositif qui contient le fichier que vous devrez copier sur l'ordinateur. Un petit cadeau pour notre collègue bien-aimé. Notre hôte est de sortie, vous ne serez donc nullement dérangé. En revanche, vous n'aurez pas plus de 10 minutes pour accomplir votre mission. D'accord? Restez vigilant et assurez-vous que personne ne vous voit. Dirigez-vous à présent vers le bureau qui est au rez-de-chaussée. Hé ! Tu montes ? C'est bon, il y a l'ordinateur. Formidable. À vous de nous montrer ce que vous savez faire, numéro 7. Vous êtes très fort. Maintenant, insérez la clé et copiez les photos sur le disque dur. Combien de temps reste-t-il? Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? On se tire d'ici. Quoi? Il faut que tu viennes avec moi. Écoute-moi. Arrête, c'est notre seule chance de nous échapper. Tu comprends pas, il faut qu'on se tire là. Dis, enfin. Vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Fredersen vient d'arriver. Sortez de là, tout de suite. On change nos plans. Et numéro 7? Qu'est-ce que vous faites là? C'est échappé. Démarrez le fourgon. Regardez, il se dirige vers la ville. Il approche du métro. Arrêtez-vous là, numéro 35. Numéro 7, où êtes-vous? C'est devenu du délire. Je sais. Hier, j'ai fait une patrouille dans le quartier nord jusqu'au petit matin. Et à 8h, j'enchaînais ma journée. Ok, on change nos plans. Court-circuiter la micropuce. Tout de suite.
Sam? Sam! Lara, je sais où est la carte mémoire. Je l'ai avalée. Appelle la police. Numéro 6, numéro 6. Je veux savoir ce que manigance numéro 7. Pourquoi elle s'est enfuie? Dites-moi ce que vous savez. Non, 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 non! Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous fait avec? J'en sais rien. Non, 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 pitié, pitié! Je vais tout vous dire! Je vais tout vous dire! On l'a pris pour relever vos empreintes, pour ouvrir la porte de notre chambre. D'après le GPS, numéro 7 est toujours dans la station de métro. J'ignore encore pour l'instant ce que le court-circuit a provoqué en lui. Il semblerait qu'il soit doté d'un mécanisme de protection jusqu'alors inconnu. De même, il possède des enregistrements de la plus haute importance que nous devons récupérer à tout prix. Donc, vous devrez l'empêcher d'aller trouver la police et gagner sa confiance afin qu'il vous remette ses enregistrements. Et une fois que vous les aurez, ramenez-les-nous sur le champ. Vous m'avez bien compris? Oui. Lara, je sais où est la carte mémoire. Je l'ai avalée. Appelle la police. Lara. 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 Bonjour, numéro 7. Pourquoi je suis attaché? Qu'est-ce qui se passe? Avec les autres, le court-circuit a provoqué un arrêt cardiaque en à peine 30 secondes, mais il semblerait que la plaque en métal que vous avez sous la joue ait fait barrage. Le court-circuit n'a provoqué qu'une amnésie chez vous. Tout est prêt, nous pouvons extraire la carte mémoire. C'est une excellente nouvelle. Une fois que vous l'aurez extraite, surtout vérifiez son contenu. Et quand ce sera fait, vous changerez sa plaque en métal et vous lui implanterez une nouvelle micropuce. Très bien. Où est Lara? Lara est juste à côté de vous. Lara, c'est quoi ce bordel? Auriez-vous l'amabilité de conduire numéro 7 à la chambre Oméga? Tout est prêt pour l'opération. Ce ne sera pas très long. Après l'intervention, vous pourrez sortir et une fois que vous serez dehors, vous irez vous rendre à la police et vous leur avouerez tout. Au revoir, à bientôt. Lara, tu me reconnais pas? Regarde-moi! C'est moi, s'il te plaît, détache-moi, il faut qu'on sorte de là. Tu sais qui je suis. Tu sais aussi qui tu es. Fais un effort. C'est toi qui m'as donné un carnet en me disant qu'il fallait que je note tout pour ne rien oublier. T'as même fait un dessin de moi que t'as accroché dans ta chambre, tu te souviens? Ces types ont altéré ta mémoire. Ils t'ont mis une micropuce. C'est pour ça que tu ne te souviens de rien. I was the one who let you know I was your sorry ever after. 74, 75. Mm-hmm. Giving me more than I defy, 'cause you're really only after. 74, 75.
S'il te plaît, détache-moi. Je croyais qu'il était là. Que s'est-il passé? Bien, envoyez-moi plusieurs mentors en renfort et court-circuitez leur micro-puce immédiatement. Est-ce que c'est clair? Appelez une ambulance. C'est bon, tout de suite. Calme-toi. Dépêchez-vous. Hé, hey, attendez. Ouvre la porte! La porte est bloquée, monsieur. Surtout restez où vous êtes, j'arrive tout de suite. Ouvre la porte, Sam. T'es cerné, je te dis, t'es cerné! À quoi tu joues? Ouvre cette porte. C'est terminé, Lara est morte. C'est fini, t'as échoué. Ça sert plus à rien. Tu vas ouvrir cette putain de porte. Sur l'ordinateur. Numéro 6, vous êtes censé rester près de la porte.
bloquer l'ascenseur. Salut. Salut. Alors ? Tu te sens mieux ? Ça va ? Ouais, ça va. Je peux ? Ouais. Toi, ça va ? Ça va mieux. Ça fait encore un peu mal, mais ça va. Ouais. T'as retrouvé la mémoire ? Non, pas encore. Je sais même pas ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont réintégrés dans la société. Out.